se gagne, ouais. Faut féliciter l'équipe. Voilà, les joueurs, ils ont fait un très très grand match. Voilà. On a dominé notre sujet du début à la fin, dans tous les compartiments. Bon, ils ont trois occasions, Benjamin a fait trois arrêts. Après, dans le jeu, on a été très très performants dans l'utilisation du ballon et on les a étouffés du début à la fin. Voilà, je pense que voilà, le mérite revient aux joueurs parce qu'ils ont fait vraiment un gros match. Voilà. Je me suis régalé. Sur le banc, je me suis régalé. C'est bien justement de réussir à si bien jouer dans un match avec un tel enjeu. Vous n'avez pas du tout été écrasé par l'enjeu. Vous avez senti la meilleure On parlait de Nîmes qui était très agressif, qui enquiquinait tout le monde, hein, qui dominait son sujet. Et je pense que c'est nous qu'on a dominé le sujet du début à la fin. C'est un match qui est un peu dans la lignée des deux derniers, là, contre Nice et à Caen, où on voyait déjà une équipe un peu mieux huilée offensivement. Là, ce soir, c'était. Ben, petit à petit, l'animation offensive, c'est petit à petit qu'on se met en place. Il y a eu beaucoup de changements, des joueurs qui trouvent leur repère et la bonne attitude. Voilà, ce soir dans tous les compartiments, dans la récupération haute, dans l'utilisation du ballon, voilà. Allez. Si je vais chipoter, je pense qu'on aurait pu marquer un peu plus de buts. C'est le meilleur match depuis que tu diriges Montpellier? Non, on avait fait des bons matchs aussi l'an dernier, dans un contexte différent, contre des équipes de plus gros calibre, même si on n'avait pas gagné ces matchs-là, mais on avait fait de très très gros matchs. On aurait mérité de gagner contre Marseille, contre Monaco. Voilà, Florent Mollet a été énorme ce soir, il avait déjà été très bon à Caen. Là, ce soir, c'est quasiment lui qui a fait tout le jeu en première mi-temps, il était parti. Bah, techniquement, c'est un joueur qui a une grande maîtrise déjà. Il n'a pas besoin de. Il voit avant, il a une bonne maîtrise du ballon et il l'utilise très très bien. Ce soir, il a été très très bon, pardon. Tu avais fait un choix fort derrière de titulariser Nicolas Cozza. Ça t'a fait déplacer le Talek au milieu, même s'il jouait plutôt au milieu. Talek, il a toujours joué au milieu. Hein. À part le premier match où il est rentré contre Dijon à la place de Pedro Mendes, le reste du temps, il a toujours joué au milieu. On pouvait s'attendre éventuellement à ce qu'il descende. Non, je pense que pour l'équilibre, il était très bon au milieu de terrain. À Caen, il a fait un très bon match. Dans l'orientation du jeu, hein, il a cette qualité technique pour bien toucher les joueurs offensifs. C'est pour ça que je l'ai gardé à ce rôle-là. Voilà. Et comment t'as trouvé Cozza alors? Et Nico, il a été très très bon comme les matchs qu'il a fait à chaque fois qu'il a joué dans ce registre-là. L'an dernier, il avait joué à Rennes, à Nantes, je sais pas quel autre match, mais voilà, il a toujours été bon dans ce registre-là. À un moment de perdre cette victoire sur tapis vert à cause des incidents de la deuxième mi-temps. Non, perdre sur tapis vert, non, mais il fallait qu'on. Je veux bien comprendre les supporters, mais il faut à un moment donné se maîtriser aussi. Parce que le club va être sanctionné sévèrement parce qu'il va y avoir beaucoup d'amendes. On va être sanctionné parce qu'on ne va pas avoir la butte qui va. Je sais pas, les sanctions qui vont tomber, on verra, mais voilà, c'est tout le monde qui va être pénalisé. À un moment donné, je comprends qu'ils soient vexés par rapport à la bâche qui a été volée, mais à un moment donné, il faut gérer aussi. La LFP vient d'annoncer qu'ils allaient faire une réunion demain pour prendre des décisions par rapport à cette fin de match un peu houleuse. Tu ne redoutes pas de retrait de points ou que la victoire soit accordé à Nîmes sur tapis vert? Ce serait la première fois qu'il y ait des retraits de points sur une situation comme ça. Franchement, je serais vraiment déçu. Quoi. En attendant, vous êtes deuxième de Ligue 1, c'est anecdotique pour toi ou ça représente quelque chose? Ça représente la qualité du travail de mes joueurs. Et voilà, ils ont envie d'exister, ils ont envie de montrer leur qualité. Ce soir, ils l'ont montré de très belle manière.
Et comme ça, ça j'espère que ça. Quand on vient à Montpellier, on disait quoi ? On s'emmerde. Et je pense que ce soir, ils ont pris du plaisir. Parce que je dis, tu n'étais pas là tout à l'heure, mais c'est pour ça que je dis, la mayonnaise, elle ne prend pas trop vite. Voilà, il faut laisser le temps dans le domaine offensif et il y a toujours des réglages à faire pour trouver une bonne complémentarité entre tout le monde. Voilà, quand il y a des nouveaux joueurs qui ne se connaissent pas, à mettre en place. C'est bon ? Allez, bon week-end.